Akoroyone eva rangatato naruto itereo mangareva. Arane e angamai koto ite anga nute piri. Amene ya te utu toromiki te utu ooa ta uto e angamai arane. Neira? Amene te anga. Te kata I te mekai e te mekore kai. Te karua. Mekai, katai, mekai. Mekai, mekorekai. Mekai, katai, katai, mekai. C'est une séance en production d'écrit. L'objectif est de produire des devinettes simples pour le moment. Et après, nous irons sur des devinettes un peu plus imagées. À la fin de la séquence, c'est la finalité de la séquence en fait. Donc pour ça, ils ont pour les aider des affichages, les couleurs, les formes, long, épais, mince, grand, etc. Et bien sûr les images à leur disposition des fruits et des tubercules. Nous allons plus tard, comme je viens de le dire, produire des piris un peu plus imagés. Voir les liens qui peut y avoir avec d'autres matières, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, par exemple le Ouro, voir la légende du Ouro, quel lien il peut y avoir, quel lien on peut mettre entre notre légende du Ouro et notre piri. Je prends un autre exemple, la citrouille par exemple, on peut mettre en lien la fête de Halloween, donc tout ça on va le voir après. Donc, aujourd'hui c'était vraiment la production de devinettes. Je pense que s'ils sont structurés en mangarivien, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, ils le seront en français et en anglais et dans les autres langues qu'ils apprendront plus tard. Personnellement, ce n'est pas une difficulté pour moi d'enseigner les trois langues, puisque quand on est en français, nous sommes qu'en français, en mangarivien qu'en mangarivien, en anglais qu'en anglais. Donc j'essaye, dans la mesure du possible, de bien les structurer dans les trois langues. Donc il n'y a pas de difficulté avec ça. On fait bien la distinction entre le français, le mangarivien et l'anglais. Pour les élèves, c'est une chance, bien sûr, d'apprendre les trois langues. Leur langue maternelle, bien sûr, le français qui va leur servir tous les jours plus tard, et l'anglais quand ils voyageront, et rien que pour communiquer avec les anglophones qui sont de passage sur les voiliers, ils peuvent communiquer simplement, ne serait-ce que dire bonjour, comment ça va, j'ai faim, voilà, des choses simples.